Je suis Frédéric Zimmermann, je suis enseignante d'activité physique adaptée et je me suis engagée cette année dans une validation d'acquis d'expérience pour l'obtention d'un Master 2 à PASS. Donc je me suis engagée dans une VAE tout simplement pour avoir une reconnaissance d'un savoir-être et d'un savoir-faire que j'ai développé depuis 20 ans dans une activité professionnelle. Donc au niveau de mon rapport, j'ai décrit en fait tout ce que j'ai développé avec des patients, donc de la danse avec des personnes en fauteuil roulant, donc qu'on appelle la cyclodanse. Un défi aussi qu'on avait réalisé avec des patients en fauteuil roulant, donc à savoir le défi cycle-océan. Et j'ai décrit aussi mon activité d'auto-entreprise. Et enfin, tout ce qui concernait l'éducation thérapeutique du patient. Donc la démarche de VAE en soi n'est pas difficile, c'est que c'est surtout en fait lourd à gérer parce que quand on travaille en parallèle, faire en plus des recherches, faire un rapport et autres, ça prend beaucoup de temps. Donc ça prend un peu de temps sur la vie personnelle. Donc ça m'a globalement pris à peu près un an parce que j'ai dû commencer mes démarches donc au mois de mai l'année dernière pour remplir mes tableaux CERFA. Et donc j'ai pas pu les rendre pour le mois de juillet-août, donc il a fallu que j'attende le mois de septembre-octobre. Donc voilà, une bonne année universitaire en fait. Donc ce que ça a pu m'apporter, c'est que c'était surtout un moment d'introspection en fait. C'est vrai que ça fait 20 ans que je fais mon activité, ça m'a fait faire une sorte de bilan si vous voulez sur ce que j'ai déjà accompli et surtout pour pouvoir me projeter sur ce que j'ai envie de faire après. Donc au niveau de l'accompagnement, c'est vrai qu'on est suivi pendant un an, c'est vrai qu'on a quelqu'un, une personne en vis-à-vis à qui on renvoie régulièrement des mails qu'on peut communiquer, avec laquelle on peut communiquer, qui corrige et puis qui nous permet d'avancer dans la VAE. Eh bien, il ne faut rien lâcher. Faut s'accrocher, ça se coupe un petit peu dans l'année au niveau du temps, mais ça vaut le coup.